Nous sommes à Vitré, en Bretagne, donc porte de la Bretagne, dans le département de l'Ille-et-Vilaine. L'entreprise, c'est la société Guillon Barbeau. C'est une entreprise familiale, donc créée par mon grand-père dans les années 70, au moment où mon père, en fait, est rentré dans la société avec son beau-frère, Monsieur Barbeau. Donc la SARL Guillon Barbeau a été créée en 1977. L'entreprise a démarré avec de la moisson, essentiellement, et en 77, ils ont acheté leur première ensileuse automotrice. Et puis de là, s'est développée la prestation de services auprès des agriculteurs locaux autour de Vitré. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes une vingtaine de salariés. Nous réalisons tout ce qui est travaux agricoles, en fait, dans une zone de polyculture élevage. On travaille aujourd'hui environ une heure en tracteur autour de Vitré. On a, dans notre secteur, les agriculteurs attachent une importance à la récolte du blé, mais aussi à récolter une paille de qualité avant, en général, avant les pluies. Donc l'histoire du pressage dans l'entreprise, c'est depuis toujours, en fait. On a toujours réalisé la prestation de pressage, et même, je dirais, pendant les années 80 jusqu'à 2000, on allait dans le secteur de l'Eure-et-Loir faire du pressage pour commercialiser de la paille. Donc la notion de densité, de pressage et de poids, en fait, c'est quelque chose qui est déjà dans les murs de l'entreprise, mais qui n'était pas arrivé jusqu'à la Bretagne, tout simplement parce qu'on vendait des bottes, et le prix était à la botte et tout ça. Donc en fait, historiquement, les machines qui étaient dans l'entreprise avant faisaient des bottes, on vendait des bottes, c'était comme ça, c'était voilà. Et par contre, quand on allait dans les secteurs de plaine, on cherchait plutôt de la densité. Ce qui n'est plus du tout vrai aujourd'hui. Les agriculteurs aujourd'hui ont besoin d'acheter de la paille, ils ont besoin de densité dans leurs bottes. Et donc du coup, les machines qui étaient utilisées entre guillemets pour des professionnels du marché de la paille sont arrivés aujourd'hui dans les entreprises bretonnes de façon à faire de la densité et pouvoir assurer de la densité par tous les temps. Parce qu'en fait, on sait que selon la paille, la température, etc., en fait, on peut avoir des variabilités de poids dans une botte qui peuvent être très importantes. Donc les pesées sont arrivées sur les machines il y a déjà assez longtemps. Nos premières machines en avaient. Bon, ça avait le mérite de fonctionner, ça manquait un peu de fiabilité, mais c'était un bel indicateur. Ensuite est arrivée toute la partie coupe sur les machines. Donc les pailles, il fallait couper. Donc on avait des machines de 26 couteaux, puis 33 couteaux. Et puis bon, ben, certains clients nous demandaient à couper encore plus fin. Donc est arrivée les machines de 51 couteaux, comme celle-ci. Donc on en a testé plusieurs, donc, dont la Krone, et puis au final, effectivement, on a acheté notre première presse Krone, donc maintenant 3 ans. Elle a fait sa troisième campagne cette année. On a eu un franc succès de par la régularité du poids, l'homogénéité du poids, la qualité de la coupe, et puis aussi eh ben, le chauffeur, en fait, le chauffeur qui a apprécié la machine par sa simplicité d'entretien. Donc là, je parle d'une machine d'il y a 3 ans, on va dire. Et en 2022, on a fait le choix effectivement de racheter une deuxième. Bah, suite au succès, la demande, en fait, on a été pris dans notre propre jeu parce que du coup, la demande des clients s'orientait essentiellement sur cette machine-là et du coup, venait siphonner l'activité des autres. Alors que nous, dans l'entreprise, on a une culture du pressage, c'est-à-dire qu'on a autant de moissonneuses que de presse. C'est-à-dire que voilà, nous, les agriculteurs, nos clients aiment que quand c'est moissonné, c'est pressé, je dirais, dans les heures et jours qui suivent, quand la paille est bonne, évidemment. Hein, mais voilà, c'est vraiment très important pour eux, ça. Je s'est trouvé un petit peu étranglé les deux premières années, surtout l'année dernière, avec la première HDP. Donc on a fait le choix, définitivement, d'en acheter une deuxième pour pouvoir répondre de façon plus facilement auprès de la demande. Et pourquoi une deuxième? Bah, tout simplement, mon chauffeur, donc Bertrand, qui lui a eu la première presse depuis 20 ans dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà utilisé des presses et qui, quand il est monté sur la Krone, et, bah, pour redire ses mots, c'est qu'il ouais, il disait que c'était le top et que c'était la meilleure machine qu'il avait eue, entre guillemets, depuis qu'il faisait du pressage. De par son entretien, le silence, il me parle souvent de ça, que c'est une machine qui est silencieuse,
qui est assez confortable aussi au travail, ce qui est important parce que dans les champs on va vite. Il m'a parlé aussi du débit de chantier. Voilà, si on veut parler un peu de la machine en elle-même, la différence que les chauffeurs me remontent, c'est effectivement le temps d'entretien qui est relativement court. L'évolution entre les deux, c'est le nettoyage. Celle-ci, elle a quasiment plus rien à nettoyer. On va dire toute la partie deux tiers arrière, c'est très propre. Il reste la partie avant de la machine qui reste à nettoyer. Le chargement des ficelles qui est moins contraignant. Voilà. Et puis bon, après, le débit de chantier est le même. La régularité de pressage, la fiabilité, c'est à peu près ce qui ressort en fait de ce que me disent les gars, quoi. Et nous, on le voit bien, hein, aujourd'hui, ça nous a soulagé sur le planning pour pouvoir répondre et presser en temps et en heure. C'était vraiment important d'avoir en fait cette machine-là cette année, hein, c'est sûr. Ouais.